Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans le nouveau cast, le BO3 des losers, de ceux qui ont perdu, donc contre Dragon de Jade, les Eldritch Hound et les Valhalla Valkyrie qui ont perdu contre les Bolt. Le gagnant de ce match affronte donc les Bolt dans un BO3 de la survie pour rester dans ses Smite Masters et se qualifier pour la journée de demain. On a ban Sett, on a ban Bakasura, on a ban Kali, on a ban Mercury. Les assassins à auto-attaque sont complètement pulvérisés dans cette phase de draft. Et on finit par un ban d'Aquarius, de ça à Bellona, tout simplement. First pick disponible, Yemoja, Jingwei, beaucoup de choses sont disponibles en premier. Donc on décide de se diriger vers quoi? Côté Valhalla Valkyrie. Et ça sera une Cliona qui récupère en premier. Pas du tout Jingwei. Ah non, mais Jingwei est ban, Ikeros, El Debilos. Donc Cliona, il y a également Khepri qui est beaucoup récupéré. On a Deiji qui est laissé open. Morrigan, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on a envie de récupérer ce type de pick? Ou est-ce qu'on prend une petite Artemis avec un Khepri par exemple? Artemis Khepri, ça pourrait être pas mal pour avoir un gros late en fin de partie. Ravana, il sortira le guide Ravana. C'est le 115e dieu Ravana. Ah, tu pouvais pas quasiment pas faire pire. Artemis est récupéré. Petit Khepri ensuite derrière. Histoire d'avoir tout juste du côté du Ikeros. El Debilos. Non, c'est Baron Samedi. C'est Baron Samedi qui est récupéré. Ok. Côté Valhalla Valkyrie, il va falloir aller chercher peut-être des picks qui synergisent bien avec Artemis pour pas les laisser. Un petit Hadès. Étonnant Hadès. C'est pas un personnage qu'on attend de savoir chez les Valkyries. Peut-être au mid alors? Peut-être que ça sera un Hadès mid. Alors, est-ce qu'il est validé? Némésis, par contre, en jungle, ça en a l'habitude. Donc, c'est Cliona solo, bien sûr. Hein, vous n'en doutiez pas, j'espère. Et est-ce que ce Hadès est validé? Le Hadès est validé, les amis. Donc, je pense que c'est Hadès mid, Némésis jungle et Cliona solo. Pour essayer de piéger cette Artemis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on prend la Athéna. C'est Athéna qui avait carrément été ban par les dragons de Jade dans le BO1. Allez, on a deux pics, deux bans à faire. On va commencer par un ban. Les ADC? C'est les ADC qu'il faut retirer. Rama. Ah non, on retire un support. Yemoja. Il y a Rama qu'on pourrait retirer aussi. De l'autre côté, il faut retirer des pics jungle. Ouais, je sais pas ce que joue le jungler des Eldritch Hound, mais ici, Némésis, pas d'immune contrôle sur l'ulti. Clone n'a pas d'immune contrôle sur l'ulti. Un ban d'Eiji serait, à mon avis, pertinent. Mais on ne barre pas sur ce ban-là. On ban Nice. Hadès solo, Clio mid. Je vois pas du tout, mais alors pas du tout Aquarius joue un Hadès. Mais je vois beaucoup plus par contre BeniQ genre sortir Hadès mid. Donc c'est pour ça que je suis plus dans ce choix-là. Après je les connais pas par cœur non plus les joueurs, hein, mais je les verrais plus partir là-dessus. Mais c'est tout à fait possible que ce soit Hadès solo et Cleona mid. Mais je sais pas si BeniQ va le faire. Je sais pas si. En fait, je pense pas qu'Aquarius soit aussi polyvalent que ça, alors que forcément il a dû s'entraîner sur Cliona solo, puisque c'est très connu quoi. Tote qui est ban pour le mid laner des adverses des Hounds. Et on prend un Nemdal. Donc on d'histoire de partir sur un ADC extrêmement safe, qui ne craint pas grand-chose d'un Hadès ou d'une Némésis grâce à son Bifrost. Il faut faire attention. Après, le Bifrost, est-ce que t'es pas décalé et que tu sors du Bifrost quand tu es pendant l'ulti Hadès et que tu essaies de prendre ton Bifrost? Je pose la question. Allez, côté Valhalla Valkyrie, on a deux picks à suivre. C'est le pick, bien évidemment, de la duo lane. Il leur manque leur ADC et leur support.
Ils ont une compo qui est pour le moment équilibrée, donc ils peuvent partir sur ce qu'ils veulent en duo. Donc un Alchiman, c'est assez safe contre Heimdall. C'est un personnage assez safe contre Athéna, contre Artemis aussi. Elle ulti, t'appuies sur ulti, tu te barres. Et Nox. Nox pour les Valhalla Valkyrie, donc Nox support. Et un Alchiman en ADC, donc compo un petit peu plus traditionnelle, même si elle est toutefois assez fragile, vu que Cliona ne tank pas autant qu'un Arthur par exemple. Et on va terminer la draft côté des Eldritch Hound. Et on va partir sur une Deji. On l'avait dit que Deji, on aurait pu la ban. Après, Nox a inhumé contrôle sur son ulti. Alchiman aussi. Hades aussi. Mais Nemesis et Cliona, non. Donc, pourquoi pas. C'est donc un Baron samedi middle, les amis. Un Heimdall Athéna. Non. Un Baron samedi solo. Un Heimdall solo, un Heimdall mid. Je pense que c'est Baron samedi mid, Heimdall solo, David jungle et Athéna Artemis en duo lane. Je miserai là-dessus. Ouais, je miserai là-dessus parce que le solo le mid laner des Hounds n'a pas l'air forcément. Je sais pas si c'est trop un joueur de. Je sais pas si c'est trop un joueur de personnages qui sont jouables en. Enfin, ça a l'air d'être un joueur de mage, ça a pas l'air d'être un joueur ultra polyvalent, donc je dirais qu'il jouerait Baron. C'est pour ça que j'aurais tendance à foutre plutôt le Heimdall en solo lane, en fait. Voilà. Alors, on va voir comment ça se passe. On part tout de suite dans la game. En tout cas, Valhalla Valkyrie contre Eldritch Wound. Les deux équipes se sont déjà affrontées dans les Smite Masters. C'était les Valhalla Valkyrie qui avaient pris le dessus. On va voir si les Eldritch ont pu s'entraîner avec des gros scrims cette semaine face à des équipes SPL qui les auraient pu trouver un plan pour essayer de battre les Valhalla Valkyrie. Allez, on se retrouve tout de suite pour le début de la game 1 de ce BO3. C'est parti pour la première game de ce BO3 entre les Valhalla Valkyrie et les Eldritch Hound. Et on aura donc, on va présenter un peu les joueurs parce qu'ils sont pas si connus que ça hein, sur la scène pro. Aquarius va nous jouer un Hades solo. Kirmi jouera une Nemesis jungle. Et c'est bien BennyQ qui va jouer Cliona. Donc j'avais bien fait l'erreur. Et Gamma jouera Nox en support. Et Oui jouera un Alchiman en ADC. Du côté des Eldritch Hound, on aura un Baron samedi solo, Watt qui va jouer une Deji en jungle et Rup Crimson qui joue un Heimdall mid. Bon, ça sera très très safe au mid. Athéna sera jouée par Quig en support et enfin Dudman Bro qui va jouer une Artemis en ADC. Bon, Hades c'est un personnage de toute façon qui dépoche très très bien au mid et sur la solo, donc on va normalement, il est censé gagner face à Rema Kami, le Hades d'Aquarius. Parce que ça dépush très très bien. On essaie de mettre un petit peu de pression, on se met devant du côté de Nox, on utilise le 3. Oh, il joue dash, d'accord. Il joue dash pour pouvoir clean un petit peu les sbires et jouer agressif plutôt que de jouer avec le 2 pour avoir une transition pour bloquer le joueur derrière. Le taunt d'Athéna et Gamma qui va prendre très très cher. Est-ce qu'il aura le temps de récupérer son dash? Oui, il a le temps de récupérer son dash. Ça se joue à rien du tout, mais Gamma survivra à ce move. C'était assez risqué. Allez, on a Wowie et Gamma qui vont être un petit peu obligés d'être zonés par Quig et Dodd là. Du fait que la Nox doit attendre pour régénérer un petit peu ses points de vie. Attention, ça dash du côté de Cliona sur le Heimdall. Le Heimdall qui se fait silence. Derrière, c'est compliqué. Il met un coup d'épée et il survit l'arrivée de Watt sur Kirmi pour essayer de le punir. Le kill n'est pas prenable, il faut se retourner. Il faut abandonner. La Nemesis survivra sur ce move. BennyQ qui place encore une nouvelle fois son silence. Il place son 2 derrière sur le Heimdall. De gros dégâts ont été mis. Après, Heimdall, tant qu'il a son Bifrost, il peut faire un back et revenir avec son Bifrost. Par contre, il aura un long CD derrière dessus. Tu disais que Athéna ne se joue pas en pro. Bah, c'est un joueur semi-pro. C'est pas un joueur SPL. Toi, je sais me défendre. C'est un joueur semi-pro, c'est pas un pro. Attention.
droite qui a pris très très cher et Kermit qui avait décidé d'invade, c'est assez bizarre. Est-ce qu'ils ont réussi à voler le bleu? Ils ont réussi à voler le bleu, donc Valhalla Valkyrie qui met une bonne pression à Baron Samedi. Ça c'est du fait que Hades, bah, ça dépoche très très bien, donc il peut se permettre d'aller dans la jungle pendant que Baron Samedi galère, enfin pour finir sa lane. Pas d'invade sur le purple, ils vont réussir à chacun le faire de leur côté. Au niveau de l'XP, léger avantage pour Valhalla Valkyrie, sans doute grâce au buff rouge, sans doute grâce aussi au totem of Cook qui a été fait par Hades, même si le deuxième totem a été fait justement par Baron, parce que Hades a tout simplement été récupérer son bleu après avoir volé celui de Baron. On récupère le speed côté Nemesis. Vous le voyez sur la duo lane, ça se passe tranquillement pour Athéna Artemis. Ça fait quand même beaucoup de contrôle Athéna Artemis. Hein. Vous pouvez être taunt, puis ensuite être trap. Ça peut faire le café. Allez, Clona au mid qui revient après avoir fait un camp. Et elle fait un back BenQ pour finir son dévoreur d'âme. Non, il fait une transcendance first item. C'est marrant. Donc là, il l'aura pas sa transcendance. Il s'est fait cancel le back ou quoi? Ouais. Il s'est peut-être fait cancel le back. Et il passe sur transcendance rang 2, tandis que le Endal a l'air de faire un gantelet du dévoreur, lui. Et on a l'avantage d'avoir le breuvage du baron. Quand on a un baron samedi dans son équipe, donc c'est plutôt cool pour le reste de vos laners. On notera qu'il y a un breuvage sur tous les joueurs sauf sur la jungle. Kirmi qui fait ses deux petits camps là. Il y a le buff bleu d'Eiji est dessus. Pour ne pas cette fois-ci que Baron perde son buff. Ça c'est plutôt bien joué. Les mid harpies de droite sont en train d'être faits par Nemesis et Cleona. Et pour le moment, les Valkyries exécutent un meilleur plan de jeu. En tout cas, s'en sortent mieux. 750 gold d'avance. Aquarius qui back en utilisant le TP sur la T2. Pourquoi utiliser le TP sur la T2 Tout simplement parce que comme ça, il est invisible, en fait, votre TP. On ne sait pas si vous l'avez utilisé ou pas. C'est assez compliqué. Et merci pour les 17 mois après un abonnement de niveau 3. Oh là là, merci Smati. J'espère que tu vas bien. Tu me diras ce que t'en penses. Moi, je vais caster sans doute jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, voilà. Je peux pas être avec toi pour ça. Mais voilà. On va faire le purple. C'est récupéré. Et on est à 5 minutes de jeu. Pour le moment, pas d'éléments, pas de kill. Mais par contre, un snowball fait par les Valhalla Valkyrie avec 1000 gold d'avance sur leurs adversaires. Et Gamma qui zone un petit peu les adversaires. Oui, qui récupère les harpies de gauche, pardon. Ils sont assez difficiles à faire maintenant quand même tout seul, ça prend un petit peu de temps. Il prend l'offrande derrière, mais il n'a pas le temps de ramasser l'offrande. Le flash d'Athéna, ça va être chaud pour Woui, il claque son ulti. Et Artemis économise le sien pour pouvoir peut-être tenter la prochaine fois un gank. Donc là, il a utilisé son ulti Hachiman, mais pas sa purif. Donc il pourra se servir de sa purif au cas où Artemis veut lui mettre un ulti dans la tronche. Nox qui décale. Les dégâts d'Aquarius. Aquarius se barre. Cette fois-ci, on veut revoler le bleu. Il réussit à placer le taunt. Il n'a pas encore récupéré ses spells. Le Hades prend cher. Artemis qui met quelques dégâts. Oui, qui est level 7. Quick qui va essayer de voler les offrandes adverses. Il va réussir à en voler une. Et en voler une deuxième. Mais on n'a pas encore fini. Il en manque deux pour finir tout ça. Allez, Quig. Qui a pris quelques dégâts. Gamma qui retourne au mid. Peniku qui claque son ulti tout simplement pour dépush la lane. Est-ce qu'on a réussi à voler le bleu de Rema Kami? J'ai pas l'impression, je crois qu'il l'a récupéré. Pas de souci. On récupère les mid harpies de droite. Ça farme mieux hein, côté Valhalla Valkyrie. On le voit maintenant 1300 gold d'avance. On récupère beaucoup d'objectifs. Watt qui utilise son outil.
pour être safe. On va essayer de choper. Il reste sur son Paolo le plus longtemps possible. Derrière, c'est compliqué. Il s'est fait avoir par la Nox. BenQ qui récupère le first blood sur cette game face au jungler adverse. Bien joué. Il va mettre quelques autos. Mais rien n'y fait. La Athéna qui décale. La Artemis qui va aller chercher les Oracle Harpy. Qui essaie de récupérer les offrandes. Il en manque une. Et Artemis va la récupérer justement, sa dernière offrande. Pour permettre aux Eldritch Hound de récupérer quand même quelques gouttes d'XP et de gold là-dessus. Mais l'écart reste aux alentours des 1006-1007. Donc ils ont bien fait de faire l'offrande parce que ça permet d'ignorer un peu le first blood qu'ils ont récupéré. Après ça va mettre un petit peu au fond la DJ, quoique elle est du level 8, même level que Nemesis pour le moment. Nemesis qui a fait une lame dorée et DJ qui a fait une transcendance. Le Dashin d'Aquarius, il prend le route, il met quelques dégâts sur Remakami. Il y a Kermit qui se balade pour aller counter jungle. What? Est-ce que le Slice and Dice va faire la différence? Ouf, il a récupéré la grosse, je crois. C'est les deux petites qui ont été récupérées par Kermit, je suis pas sûr, mais... Oh là 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 là, c'est très très dur pour Remakami parce qu'il n'avait pas encore récupéré son ultimate, donc il s'est complètement fait jambonner et on va tout simplement le dive. Le kill qui est récupéré par Kermit. Côté Gamma, 1-0-1 pour la Nemesis. C'était Clonna qui avait récupéré le premier kill. Et c'est un 2-0. Et on voit pourquoi les Valkyries sont à SPL, hein, tout simplement. C'est parce qu'ils doivent les connaître. C'est une équipe qui connaissent, bien sûr, les Eldritch Hound. Parce que l'année dernière, l'équipe des Valkyries ça ne s'appelait pas comme ça. Et c'est une équipe de SSC nord-américaine. Les deux sont des équipes de SSC nord-américaine. Donc, ils doivent plutôt bien se connaître. Ce qui fait que ça serait pas étonnant de voir les Valhalla Valkyries faire un peu comme on fait les dragons. Les dragons, ils l'ont fait parce que c'est une équipe de SPL qui a l'expérience, etc. Mais les Valhalla Valkyries, eux, par contre, connaissent bien leurs adversaires. On met le root. On met le 2. On a un petit peu de dégâts, mais malheureusement... C'est bel et bien Hades qui a pris l'ascendant là sur son vis-à-vis avec un superbe ultimate tout à l'heure. Baron forcément il galère un peu face à Hades, il n'a pas forcément de quoi sortir de l'ulti, il peut juste mettre son ulti à lui mais ça solutionne pas tout. Salut Jujax, bienvenue à toi. Nous sommes dans le deuxième BO3 de la soirée, il en restera un derrière. On est au début du BO3 et il est actuellement 22h en France donc on n'est pas couché. Pause qui a été mis par Watt, petit souci technique pour le jungler a priori. Il y a l'air d'avoir Kermit qui a l'air, ils sont en face devant des vitres et ils voient l'autre équipe, donc il y a Kermit qui disait what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et boum, petite pause, c'est l'une des premières pauses de cette Smite Master. On espère que ça va reprendre rapidement. Mais oui, mais tout va bien, tout va bien. J'espère que tu vas bien, mon petit Julac, que tu as passé une bonne journée. Nous sommes sur cette sixième journée des Smite Master. Sur la IKRTV, ça fait que la deuxième, mais il nous reste encore la journée de samedi et dimanche. Athéna qui disait hier, on la voit plus. On la voit pas normalement, mais c'est parce que c'est une équipe de SCC. Après, on la voit, c'est pas parce qu'on voit un perso une fois que la règle. C'est l'exception. L'exception confirme la règle. Elle ne la nie pas justement. Attention, bom, on réussit à prendre le kill sur Wowie peut-être. Oui, ça passe. Hop, attention, ça va être chaud là pour le joueur de Baron samedi. Ça devait être un trade. Baron ne pourra absolument pas sortir de cet ulti Hades. Et on va enchaîner par une Gold Fury du côté des Eldritch Hound. Et ça va leur permettre de rattraper une partie de leur retard. De l'autre côté, est-ce qu'on fait tomber la T1 et est-ce qu'on a fait un pyro quand même, hein. Le pyromancien a été fait. Donc finalement, ça va pas trop permettre, ça permet à Eldritch de rattraper une partie de son retard, mais on est toujours sur du 2000 d'écart de gold. Donc quelque chose qui s'accentue, qui s'améliore, qui augmente.
2-0-3 pour la Némésis, 1-0 pour la Cléona, 0-0-3 pour le pauvre Hades qui a pris aucun kill malheureusement sur ce move et qui a bientôt fini son bâton de sorcier et qui a fini son plastron de valeur. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'il fasse un plastron contre un baron samedi. Mais c'est parce qu'il considère que Baron ne peut pas lui faire grand chose, ne pourra absolument pas le tuer, donc autant partir sur de la défense physique pour contrer la Deji et le Heimdall middle, et pour plus tard la fameuse Artemis. Notez que Hades a une énorme augmentation de résistance quand il ultimate, quand il ulti, donc vous pouvez essayer de tanker. Par exemple, vous faites ulti par-ci là, vous pouvez, si vous n'avez pas votre dash ou pas d'égide, vous pouvez appuyer sur ulti pour éviter de prendre la sauce. Ça vous permettra de prendre, je pense, quasiment 10 à 15% de dégâts en moins, je dirais, quand on claque l'ulti d'Hades. Parce que ça donne, je crois, 60 de résistance au max. Attention, Quig. Quig qui prend beaucoup de dégâts là, sur son Athéna. Ultimate. Oh, ça touche! Gamma qui va être forcé d'être ramené ici. Est-ce qu'on va réussir à le tuer? Oui! Erupt Crimson qui réussit à récupérer le kill. Derrière, on essaye de faire des dégâts sur Beniku qui retombe de l'ulti Heimdall et on réussit à le tuer du côté droit avec un téléporteur. Et les joueurs de Eldritch Moon qui sortent d'un énorme teamfight et qui réduisent l'écart de gold à moins de 1000 contre les Valhalla Valkyrie. Et c'est un très très beau fight. On a vu toute la puissance de Deji dans ce fight. Parce que le joueur de Deji a fait un gros fight alors qu'il était au fond avec un 0-1-2. Là, il va chercher 2 kills et 2 assists sur ce move. Donc c'était magnifique. Enfin, 2 kills et 1 assist. Ouais, c'était vraiment un max range hein, le fait qu'il ramène Gamma. Donc c'était bien joué. Et vous voyez l'écart de gold et l'écart d'XP qui est complètement redescendu. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on voit toujours un écart entre Baron et Hades. Donc ça signifie sans doute que derrière, c'est d'autres joueurs qui sont en retard, comme Cleona qui est un peu en dessous d'Emdal et Nemesis qui est un petit peu en dessous d'Eiji. Et surtout Athéna qui a pris 2 levels d'avance sur Gamma, sur Sanox. Sur Sanox qui a fait le choix de ne pas partir sur Masque de Lono très tôt, hein, puisqu'il a fait 2 items, la souveraineté et la lame de la sorcière, pour histoire de nerfer une bonne partie des dégâts physiques de la compo adverse. BeniQ qui tombe, et oui, on le punit cette fois, il a pas de purif et donc on le réulti. Très bien joué les Eldritch Moon qui savent bien se servir des reliques forcées sur un joueur pour ensuite le punir en boucle avec Athéna et Deji. Ça marche très bien. Allez, Kirmi et les joueurs de Valhalla Valkyrie qui doivent faire attention. C'est un BO important, on rappelle que celui qui perd ce BO3 est éliminé. Et on a un pyromancien qui va pas tarder à réapparaître. Est-ce qu'on va essayer de le récupérer côté Eldritch? Aquarius est bien dans sa game, la question c'est peut-il décaler pour essayer d'aider son équipe? Pas toujours facile. Wowie et Artemis sont du même level, même si Wowie est mort une fois. Pour le moment, le Hachiman tient bon. Et Aquarius récupère un totem of coup, c'est son 6ème. Le pyromancien, on va tenter de se regrouper. On met des dégâts sur le baron samedi. Il utilise sa purif cette fois-ci. Watt qui veut commencer le bleu mais qui se rend bien compte que ça pue. Le flash, l'ultimate et le kill qui est récupéré par Aquarius. Le pauvre baron samedi est un petit peu pour le moment de la bidoche hein, pour les Valkyries. C'est compliqué. Pour le joueur de Baron samedi, 0-3-1. Et on va faire le pyromancien dans la foulée. Quig ne pourra pas contester. Et les Valhalla Valkyrie reprennent le lead dans cette game. Ça ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. BeniQ qui a pris beaucoup de dégâts, on lui a forcé sa purif, on l'ulti Heimdall justement à la sortie pour essayer d'aller chercher. Côté de Gamma, on essaie de repousser un petit peu et d'essayer de faire survivre BeniQ, mais BeniQ n'aura pas le temps de rentrer dans le mur. Il se fait tuer par Erupt Crimson qui sur son Heimdall est en 2-0-2 avec déjà beaucoup de dégâts. Gantelet de dévoreur, démon du vent et Sylve Argent.
petits dégâts de Wowie sur Watt, mais c'est pas très grave. La Golfury qui est là, mais on n'a pas a priori envie de la all-in. On fait le buff rouge pour le moment. Pennyku qui est pas là. On récupère cette petite harpie là. L'écart qui est d'à peine 100 entre les deux équipes. De 100 gold, c'est de 100 d'or, c'est très 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 peu. À 17 minutes, on est bien parti pour voir un match très serré, un BO très serré une nouvelle fois. Après le classico Bolt contre Dragon, on va avoir le match entre Valhalla Valkyrie et Eldritch Hound qui va pas se jouer à grand chose a priori. On a fait le bâton éthéré côté Hathès et on part maintenant sur une Pierre of Fall peut-être. Je ne sais pas. Peut-être bien. Allez, on récupère le buff purple. La prochaine Golfury sera importante. La deuxième Golfury de cette game sera très très importante. Deji, on va encore mettre tout sur Wowie. On lui force sa purification. Et on a la prise de la tour. On ne pourra pas la défendre même si on décale. Sinon, on ne la prend pas. On a peur du... Ouais, il y a Hades qui est là. C'est parce qu'il y a Hades. Pourquoi Nox en soutien? Il y a quoi de bien? Le silence et le root qui sont extrêmement forts. Qui avec de la CDR, tu peux vraiment le spammer très souvent. Et un root sur quelqu'un, c'est extrêmement efficace. Surtout si tu joues des personnages à distance dans ton équipe. Mais si c'est des personnages corps à corps, bah eux, ils peuvent plus taper. Tentative de gold. Avec Kirmi qui voulait aller sur la solo, mais Baron qui l'empêche. La Golfury qui est annulée. BenQ qui prend très très cher. BenQ qui se fait manger par le Baron samedi qui aura été en PLS tout l'early. Mais ça y est, Baron est rentré dans sa game. Il a défoncé littéralement BenQ. Qui pourtant... oui, il a rush crève-cœur. Il n'a pas rush transcendance. Dévoreur d'âme, colère de Jotun. Ok. Et c'est finalement les Eldritch Hound qui vont tenter la Golfury. Est-ce qu'ils vont être capables de la valider? Aquarius qui claque l'ulti, la Golfury qui tombe, ce sont les Valhalla Valkyrie qui la récupèrent. C'est un peu la catastrophe. Aquarius va mourir, c'est certain, mais il aura donné la gold à son équipe. On a 19 minutes de jeu, est-ce qu'on va faire un back pour faire le fire? J'ai pas l'impression... C'est trop une technique de joueur d'équipe de SPL. J'ai pas l'impression qu'ils veulent partir là-dessus. Quoique, on va voir. Non. Pas l'impression. Donc la gold pour les Valhalla Valkyrie, ça permet juste de limiter la casse. On voit que l'écart entre les deux équipes est de 300 entre eux. Donc c'est extrêmement tendu entre ces deux équipes. La première T1 qui va enfin tomber. Et ce sera sans doute la T1 de la solo lane. Du côté, quoi qu'il a pas clean, hein. Il a pas clean complètement. Les sbires essayent de décaler. Nanani, nanana. Est-ce que ça va faire tomber la tour? Normalement, oui. Première T1 qui tombe. Et c'est la tour d'Aquarius. BenQ prend cher. Ouais. 1-4 sur sa Cleona. Il s'est bien fait camper. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que. Dans les deux joueurs qui sont en train de feed dans l'équipe, bah c'est le joueur qui était feed sur, du côté des Eldritch Hound, qui était en train de feed à 1-3, qui finalement a pris le kill sur l'autre joueur qui est mal dans sa game, qui est BenQ. Pourtant, BenQ a récupéré le first blood de la game, on le rappelle. Hein. Allez, on récupère le farm Aquarius qui a fait une Pierre of Fall, c'est bien ça. Pierre of Fall... Et condamnateur pour le petit Hachiman des familles. Condamnateur qui n'est pas encore fini pour Dunman Bro. On fait tomber une deuxième T1. Et Artemis qui est bientôt level 20, les amis. On est à 20 minutes, 21 minutes de jeu. Vous voyez qu'il n'y a pas encore de level 20 dans la game. C'est un peu plus difficile qu'avant. Tentative de pyromancien qui ne sera pas contesté. Eldritch Hound qui cette fois-ci sécurise son objectif. On all-in sur le Baron. Le Baron qui ulti, qui réussit à placer un stun sur Aquarius. L'ultimate de Hades qui va faire le ménage. Là, on réussit à se barrer du côté de Heimdall. Incroyable. Il réussit à utiliser son Bifrost.
Remakami qui s'en sort également, le flash de Quig, oh, c'est bizarre de vouloir y aller là, tu penses vraiment qu'Artemis peut carrer un fight alors que vous avez deux joueurs en moins, c'était ballsy. Côté Watt, on claque l'ultimate de Deji, ouais, c'était risqué quand même hein, de fight. Ils l'ont tenté, mais ils ont finalement abort mission là. 8-4, ils sont toujours très très bien les Eldritch Hound et ils peuvent gagner cette game. Allez, on tente l'all-in au fire. C'est un peu risqué quand même. On est qu'à la 22e minute et Wowie est là. Wowie est là avec son Hachiman. L'arrivée également de Gamma. Gamma qui se fait 100% 0. Oui, il se fait ramener par Baron. Mais derrière, on met peut-être un petit peu de ressources sur... Trop de ressources sur Gamma. Et l'ultimate d'Aquarius avec son Hades qui va laver le cul des Eldritch Hound. Incroyable. C'est un 4 pour 1 en faveur des Valhalla Valkyrie. Et finalement, ce Fire, il va être pris par les Valhalla. C'est ça, quand tu utilises beaucoup de ressources pour tuer un support, derrière on se positionne un peu mal et il y a eu un superbe ultimate de Hades qui n'a pas pu être contré sur trop de joueurs et ça a fait le café. En tout cas, très bien joué. 9 à 8. Emdahl, c'est un dieu sous-estimé. Ah, pourtant, t'inquiète, il n'est pas sous-estimé. En saison 8, il a été présent. Ça a été un des ADC les plus joués de S8. Vraiment très, 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 très souvent. Et incroyable le move d'Aquarius. Par contre, tu dirais Hades, c'est un perso sous-estimé. C'est un... Regardez comment il arrive là. Il se fait plaisir. Double kill, triple kill d'Aquarius. Après, ça a bien été setup par les autres. Et boum, le slice and dice et la petite auto-attaque derrière Kirmi. Qui derrière taunt. Pas gentil. Mais apparemment, il a l'air de s'entendre bien avec les joueurs en face. Bon, je pense que c'est du taunt gentil. J'arrive pas à le jouer, moi, Emdahl. À Emdahl, il faut. Pour regarder le guide que j'avais fait sur lui. Très clairement, Emdahl, il faut tout le temps se dire dans la tête, ah, il faut pas oublier, toutes les 10 secondes, tu mets un Bifrost. Toutes les 5 secondes, tu mets un Bifrost sur le sol. Comme ça, tu as tout le temps une soupape de sécurité. Faut pas oublier que le Bifrost, c'est vraiment une source, c'est vraiment un sort que tu dois mettre quasiment tout le temps quand tu avances pour pouvoir reculer quand il y aura besoin. Tu vois? Tout le temps réfléchir, je pose où mon Bifrost, faut pas qu'il soit trop loin, comme ça le CD est assez court. Tu as quand même un outil qui dit Mondose Control qui fait un dash, donc tu as quand même deux escapes, quoi. Donc c'est vraiment un très très bon personnage, c'est un ADC très safe. Il faut vraiment prendre l'habitude de poser son Bifrost pour pas avoir des Bifrosts qui ont des CD de 1 minute 30 comme certains s'amusent à traverser la map avec. Après tu peux le faire de temps en temps, mais il faut pas que l'adversaire le voit. Enfin de toute façon l'adversaire le voit que t'as un Bifrost en CD, hein. Sauf si tu le poses, faut pas le poser quoi. Allez, côté Valhalla Valkyrie, on a pris l'ascendant, on a le Fire Giant, mais ça veut pas dire que c'est gagné. On reprend le contrôle un petit peu de la vision ici. On a BenQ qui push. Ça reste quand même une game avec une Artemis, hein. Et une compo double ADC, donc ça peut faire très très mal. On a réussi à faire tomber la tour de la duo, la T2, et on essaye de push au niveau de la T2 mid, tandis qu'il y a Nemesis met la pression sur le Phoenix. Essayer de choper les gens. Clona qui est rentré dans le mur. Qui met une fissure. Qui essaye de mettre du POC. Les deux ultis ont été claqués. Donc il a plus d'ulti BenQ là. Attention, le double taunt. C'est bien joué. Gamma qui a pris tellement cher. Il a toujours pas de masque de Lono. Donc avec sa petite Nox, il prend quand même assez cher. Ouf! On a empêché Aquarius d'ultimate là avec un superbe ultimate de Emdahl. Quick essaye de mettre des dégâts. Aquarius qui a eu le temps de se soigner. Quick est obligé de fuir. L'ulti de Wowie pour ralentir les gens. Derrière Gamma qui revient mais qui se fait tuer. Oh, Gamma qui malheureusement ne tank pas suffisamment. Sa force la purif et l'ultimate d'Aquarius.
Qui, Penny Q qui essaye de mettre des dégâts. L'ultimate de Baron, ça va permettre de ramener peut-être quelqu'un. Non, Aquarius qui est un petit peu seul, il se fait taunt, il se fait route, il se fera route à la sortie. Non, c'est bon, il a survécu, ils sont low, les joueurs. Ouf, l'auto-attaque qui passe du côté de Wooi sur la Artemis pour récupérer le kill. C'est compliqué, Wooi qui veut, qui se sent chaud pour peut-être carry ce fight, mais c'est compliqué. On a Quick qui tombe, Boîte qui prend le kill sur Penny Q. Derrière, le double taunt une nouvelle fois. Remakami qui va chercher le carry. C'est bien joué. Il a réussi à tuer la DC. Il ne reste plus que Kirmi et Aquarius ont réussi à prendre le kill. Aquarius qui va pas tarder à récupérer son ultimate. Mais l'aura-t-il suffisamment tôt? On réussit à placer le route. Ça va être difficile de tuer Aquarius. Plus on est en infériorité numérique et plus c'est compliqué. L'ultimate est là. L'ultimate est là. On l'avait dit. Il revient. Il fait complètement la différence. Remakami, il essaye de soigner dessus, mais c'est compliqué. Il n'y a pas d'anti-heal du côté de Baron, mais au bout d'un moment, c'est compliqué parce que Baron Samedi se soigne également. Et c'est Baron Samedi qui va sans doute gagner ce duel. C'est compliqué. Non, finalement, c'est Aquarius qui reprend le lead, qui re-TP et qui va réussir à récupérer le kill. Et il réussit à tuer son vis-à-vis. Je crois qu'il y a le marteau de Boomba dans l'histoire. Oui, il y a le marteau de Boomba dans l'histoire. C'était obligatoire. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il spammait autant. Mais il y avait le marteau de Boomba aussi du côté de Baron. Alors, je sais pas s'il l'avait encore, je crois qu'il l'avait. C'est pour ça qu'il spammait autant les spells les deux. Ouf. La petite auto sur Artemis, Jostin, je crois que tu parles plutôt. Petite auto de Wooi sur Artemis qui était en train de fuir. Piouf. Le Boomba Hammer, mais c'est un objet pété. Hein. Mais c'est rigolo comme on l'a pas vu pendant un an. C'est un objet très 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 fort. Ça permet tellement de répéter les spells en boucle. Ça crée une boucle de spells, genre Hades. Vraiment, il spammait ses sorts en boucle. Hein. Ça, plus 40% de CDR, tu spams. Hein. Et on va récupérer le fire du côté des Valhalla Valkyrie. Mais c'était chaud, hein, les Eldritch Hound qui ont failli encore faire un gros comeback là. Ça s'est joué à rien du tout. Et le petit Hades qui a fait un bâton de sorcier, un bâton éthéré, une pierre hors folle. Donc il a quand même quelques dégâts. Là on revoit le TP et le kill qui est récupéré grâce au TP. Les petites autos qui sont importantes, bien sûr. Regardez ses CD. Donc là il a Shin. Hop, 9 secondes, 6 secondes, il met des autos. Il descend à 3, 2, 1. Paf. Il peut refaire son 3, il peut redashin. Refaire son 2, refaire son 3. Il refait son 3. Il fait son 1. Là, il va refire. Refait son 3. Là, on croit que Baron va le tuer. Hein. 109 HP. Mais il n'y arrive pas, putain. Il n'y arrive pas. 109 HP pour le Hades. C'est-à-dire qu'on aurait été patch précédent, il était mort. Allez, on fait tomber la T2. Et on réussit à prendre un bon petit pactole d'avance. Hein. Malgré que ça soit serré dans les fights, Henry Jones arrive à faire des grandes choses en fight alors qu'ils avaient quand même 5 ou 6 000 gold d'écart. Allez, on va essayer de push Phoenix. Pas forcément facile. Le trébuchet qui touche. Le phénix essaye de mettre des dégâts avec les sorts de loin et le trébuchet qui finit par tomber. Trébuchet, il attaque pas de si loin. Il devrait attaquer de quasiment le double. Et là, je pense que ça serait un objet intéressant, peut-être. Je sais pas. Après, c'est compliqué parce que les trébuchets ils sont souvent récupérés par l'équipe qui domine. Donc, faut pas non plus que ça soit très très fort. Sinon, il y aurait plus de fight. Vu que l'équipe qui a les trébuchés, c'est généralement l'équipe qui gagne, hein. C'est pas l'équipe qui perd. Donc c'est rigolo parce que les obélisques, en fait, c'est un système qui permet à l'équipe qui gagne de gagner plus. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Comme idée. Allez, on est parti. On fait tomber le trébuchet ici. On a les oracles, la golfurie. Aquarius, quand il aura l'élixir à 500 et l'élixir à 3000, là, il va devenir monstrueux avec son Hades.
Le double de portée, ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais le problème c'est ça. C'est qu'en fait, le truc de l'obélisque, il est forcément, faut forcément qu'il soit dérisoire, le buff de l'obélisque, parce que comme on l'a dit, c'est l'équipe qui domine qui l'a. Et donc, c'est vu qu'ils ont déjà le fire, bah c'est compliqué de leur donner un truc qui est vachement worse, etc., qui est vachement opti. Mais bon. Alors, on a le petit Kermiomid avec une cape des mages pour éviter un contrôle. Sans doute le contrôle de Baron ou du Tiemdal s'il y a besoin. Côté Gamma, on est pas mal avancé. Est-ce qu'on a le masque de l'Ono? Oui, on a le masque de l'Ono. Il tank enfin. Gamma. Et Baron Samedi, c'est un très très bon anti-siège avec son 2. De heal qui fait de bons dégâts en late et qui surtout le route. Bref, Baron Symbi, l'outil. Il est très très chiant pour prendre un phoenix, Baron. Donc c'est pour ça qu'on abandonne. Et puis c'est aussi parce que c'est la fin du buff fire. Il reste 50 secondes avant le repop du prochain fire. Elixir égide améliorée. Tac tac. Potion de 500 pour la Cleona. Potion à 500 du côté de Hadès. On est encore loin de la potion à 3000 gold. Kirmi qui a fait quoi comme build sur sa Nemesis? Est-ce qu'il a fait un build utilitaire? Il a fait un Lancelot, un exécuteur. Ok. Côté de Hachiman, c'est domination. Et côté de Artemis, c'est exécuteur cette fois-ci. Moi, je trouve qu'exécuteur, c'est très bien. Puisque ça permet, comme je l'ai dit, de retirer des résistances pour les autres persos physiques de votre équipe. Donc, c'est toujours intéressant. Jonah qui est top damage, Baron Samedi qui est deuxième et Emdal qui est troisième. Attention, Gamma qui décide de Dashin, qui prend ensuite quand même pas mal la sauce. Aquarius qui va essayer de stun Kirmi mais il n'y arrive pas avec son pic. Aquarius qui prend très très cher et Aquarius qui tombe. La compo double ADC qui est en train de payer. Quick qui s'enfuit, il reste encore les ADC. Les ADC sont là, ils n'ont plus beaucoup de trop, ils ont quasiment plus de défense. On réussit à prendre les deux ADC, c'est gagné pour les Valhalla Valkyrie a priori avec ce kill. Les tanks ont tanké suffisamment, mais les ADC, une fois que les tanks étaient partis, les ADC sont retrouvés en front lane et ça a été l'hécatombe. On a perdu Dud et Erupt Crimson en quelques secondes, en 3 secondes à peu près, et on va essayer d'aller conclure cette partie du côté des Valhalla Valkyrie. On double dash, est-ce qu'on peut aller chercher les dégâts sur le Baron Samedi qui tombe, et c'est la première game qui va passer en faveur des Valhalla Valkyrie, mais ça aura pas été facile entre ces deux équipes qui se connaissent bien jouées de la part des joueurs des Valhalla Valkyrie. On se retrouve nous tout de suite pour la deuxième draft de ce BO3. Deuxième draft de ce BO3, Valhalla Valkyrie, toujours en bleu, les Eldritch Hound, toujours en rouge. On a Ban, Bakasura, Seth, Kali, Mercury, Jingwei, donc on continue de retirer les pics du jungler des Eldritch Hound qui s'appelle Watta. Et oui, j'avais pris des notes, hein, comme à l'ancienne. Les bolts arrivent toujours par pas contre Jade, c'est triste, nous dit Jia. Ouais, c'est un peu leur bête noire. Et c'est le BO classico qu'on a énormément vu depuis le début de la S8 l'année dernière. Clone Naiban, donc le first pick pour les Valhalla Valkyrie, peut être Yemoja, ça peut être Artemis, ça peut être. Bah, beaucoup de choses après derrière. Qu'est-ce qu'on va décider de prendre? Bellona pour Aquarius. La Bellona d'Aquarius. C'est vrai qu'elle avait été ban tout à l'heure, la Bellona. La Bellona solo. Ensuite, contre Eldritch Wound, ils peuvent prendre Artemis. Artemis qui est pris cette fois-ci? Est-ce qu'ils prennent Artemis qui est pris? C'est ce que je leur conseillerais. Hein, mais le vote se fait sur Discord. Non, dans la partie chat. Si t'es en plein écran, tu vois pas, c'est normal.
dans la partie chat, là où tu écris en fait. En haut, normalement, il y a écrit prédire. Il y a un petit onglet prédire, tu cliques dessus et après tu vois, c'est peut-être un peu plus difficile à utiliser sur téléphone que sur PC. Sur PC, c'est assez facile à utiliser. Yemoja, donc Yemoja Artemis. Ah oui, c'est solide. C'est vrai que j'ai oublié Yemoja, d'habitude elle est ban. Yemoja Artemis, très solide comme duo. Avec une petite Nemesis ensuite. Ok. Et on va aller chercher peut-être le Tchernobog. Non, Baron Samedi. Ok, intéressant. Baron Samedi, ici, sera joué soit mid, soit en support. Puisque Bellona, c'est sûr, elle est solo et Nemesis, elle est forcément jungle. King Arthur, le petit King Arthur face à Bellona. Si tu es sur un téléphone, c'est en bas à gauche sur tes points de viewer. Ok, merci. On va voir si je me fais troll, nous dit Ryan. Ryan qui vote pour les Eldritch Hound. Mm-hmm. Et on a Hachiman, Merlin de Ban, Araukong et Deiji, bien sûr. Deiji qui est un très très bon Ban en pro. En pro parce que pas forcément le cas chez nous, mais dans le game à nous, mais pour les pros, oui. Et on aura Arthur. Arthur qui va recevoir un petit up mardi puisqu'il y aura un up du bouclier du gladiateur. S'il y a mis un personnage qui synergise dessus, c'est Arthur. Les amis, qu'est-ce qu'on décide de prendre ensuite? Il leur manque quoi? Il leur manque leur mid. Donc il y a Oulre qui est dispo au mid. Il est pas ban. Il y a... Baba Yaga qui est dispo. Enfin, que je trouve bien, Baba Yaga. Cinq bans pour la jungle, ouais, 5 bans pour la jungle d'un côté et 6 en fait parce qu'il y a Mercury, donc ça fait quand même 5 assassins bans et le fameux assassin magique Aokong. Possibilité de partir sur un... Sur quoi? Sur Tot. Et oui, Tot, il est laissé. C'est vrai que le Tot des Eldritch Moon qui a fait un pentakill non officiel face au Solar Scarab dimanche dernier est dispo. Alors, quels vont être les choix de prise de décision pour les joueurs des Valhalla Valkyrie? Il leur faut un ADC, donc ADC, il y a Chibalanke, il y a Hachiman. Hachiman est ban. Il y a Chibalanke, il y a Rama qui est très très fort, qui pourrait être sorti ici. Rama face à Artemis, ça passe, hein. Il vous ulti, vous appuyez sur ulti. Après, c'est compliqué parce qu'à la retombée, il te pour le trap, donc je pense pas que ça sera Rama. Ça sera plus un Chibalanke, peut-être, histoire d'être tranquille, pour pouvoir se barrer efficacement. Izanami se joue à ce niveau, elle se jouait, mais elle a pris quand même quelques nerfs, Isa. Mais Izanami contre Artemis, ça peut vite être risqué. L'escape, il est pas instantané, tu peux prendre le coup de sanglier dans la tête. Je sais pas. Peut-être, hein, il pourrait être sorti. Alors, est-ce que le pic... Qu'est-ce qu'on décide de prendre pour terminer la compo? Est-ce que le baron est support ou est-ce que le baron est mid? Tchernobog, oui, c'est vrai qu'il a été beaucoup joué. Tchernobog pourrait être sorti ici. C'est assez safe contre Artemis, justement, tu te mets dans le mur, le sanglier il finit par... Enfin, tu te casses quoi, c'est pas mal. Une Charybde aussi c'est bien, c'est vrai que c'est bien Charybde, c'est très safe. Est-ce que Charybde est validé? Et Holoround, donc c'est Baron Samedi, support Holoround. À quoi qu'on peut faire les deux, hein, mais je pense que ça sera... c'est BenQ, donc est-ce que c'est Charybde mid? Ou est-ce que c'est Holoround? Parce que quand même, hein, jouer un Holoround face à un Tot, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Hein. Donc je pense que c'est Charybde mid et Holoround ADC. Enfin, ADC magique, quoi. Je pense que c'est plus safe, beaucoup plus safe quand même, de jouer Charybde face à un Tot que de jouer Holoround. Hein. Surtout près 5. Côté des notes, on prend une Serket Jungle. Serket Jungle. Et
on est parti pour la game 2 de ce BO3 entre les Valhalla Valkyrie et les Eldritch Hound. On aura côté Valhalla Aquarius avec sa Bellona solo, Kirmi jouera une Nemesis Jungle, BenQ un Olorun mid. Donc c'est bel et bien Olorun mid, et bah je lui souhaite bonne chance hein, contre Serket Tot de jouer un Olorun mid. J'aurais préféré jouer Caribe, un peu comme le fait Boronic, le joueur des Solar Scarab. Gamma jouera un Baron samedi en support et Wowi jouera une Karib en ADC. Côté des Eldritch Hound, on aura Rema Camille qui va jouer Anu Arthur solo. Watt jouera une Serket jungle. Erupt Crimson qui va jouer un Tot. Quig va jouer une Yemoja et Dunmanbro qui va jouer une Artemis en ADC. Au niveau des starters, Pendentif avec Marine contre Prix de la Mort, œil contre Dag. La flèche dorée, bien évidemment, du côté d'Olorun. Tot est parti sur un sablier du temps. Bienveillance contre don de sentinelle. Et enfin, une flèche dorée contre une flèche dorée. Attention, Wowi qui prend la pression là, de Yemoja avec sa capacité à utiliser tous ses ennemis. On a sorti un guide Yemoja il n'y a pas longtemps, je vous conseille. Ça reste l'un des gardiens les plus forts, si ce n'est la gardienne la plus forte du jeu. Baron Dimanche, nous dit Jujax. Ah, j'ai un son pour toi. Hop, tac. Bien joué, n'hésitez pas. Hashtag humour sur Laker TV, surtout quand il se fait tard comme ça. On va bientôt arriver à 23h. Et il nous reste encore un BO3 à casse derrière. Et il peut y avoir encore une game. Donc on n'est pas couché. Mais je crois que c'est vraiment la journée de jeudi, vendredi qui vont être longues. Je pense que demain, ça sera plus court, on verra. Attention, l'ardent gage de Kirmi sur Crimson, mais on n'arrive pas à récupérer le kill. Kirmi prend très cher en ayant tous les sbires qui se retournent contre lui. Allez, on récupère. On zone le petit Arthur. Ouf, Rema Camille qui prend très très cher de la Bellona d'Aquarius. Boum, on a reçu un petit peu de heal. On essaye de dépush. On met le 2 du côté de Caribe, le stun. Le défaut de Caribe, c'est qu'elle a très peu de portée sur ce 2. Donc ça la met en danger face à la Yemoja qui la punit instantanément. Allez, Aquarius. Rema Camille qui reste collé au buff bleu comme ça pour avoir l'XP collé au mur. Ça vous permet de ne pas prendre de retard puisque Aquarius va faire son bleu lui aussi avec Kirmi. Allez, c'est récupéré. La petite Carib récupère son purple. On va voir s'ils vont essayer de tuer le Tot. À la transition level, de tuer le Holorun, pardon, sur la transition level 5. Là, on voit qu'Arthur n'hésite pas à lui mettre la pâtée aussi. Alors, on place le route du côté d'Yemoja. Sur Yemoja, bon, pourquoi pas, ça fait quasiment pas de dégâts. C'est rigolo. Allez, Aquarius qui va devoir back. Il joue TP. Il peut revenir rapidement. Non, il décide de cancel son back. C'était un fake back. Histoire de récupérer son farm quand même avant. Peut-être ensuite il va back. Ouais, il back ensuite. Il y a des Mésis dans les parages. On laisse tomber le Naga. Il y a Dunmanbro qui voit. Qui va essayer de voler l'objectif. Mais il n'y arrive pas. Enfin, de sauver son objectif plutôt. C'est plutôt un camp qui appartient au Eldritch. Allez, c'est récupéré. La lane, Kirmi qui fait les oracles harpy. Watt qui va arriver, trop tard. Mais on a le level 5 et je pense que Nemesis a l'info sur Gamma. Gamma qui n'arrive pas à fuir et Gamma qui va donner le first blood, là c'est quasiment garanti. On a décidé de ne pas ganker le Holorun mais plutôt de ganker le Baron qui est lui aussi un personnage qui n'a pas un escape phénoménal face à Serket. Et donc, on va jouer le pari de soit tuer Olorun, soit tuer le Baron. Hein. Tuer une Nemesis, c'est beaucoup plus dur. Tuer une Carib, c'est beaucoup plus dur. Et Aquarius, qui a pris le devant sur son match-up.
dépush tranquillement la lane. Il y a Kirmi qui se balade. Il essaye de contester un petit peu la serquette. Pas forcément un personnage qui se défend très très bien dans la jungle. Le flash out, on a préféré être safe parce que si on se prenait l'automne, on retourne sur Watt. Il a gardé son dash, il a gardé son saut. Tout va bien pour la serquette. Elle avait bien fait de garder les deux, sinon elle aurait pu mourir. Arthur qui met beaucoup de dégâts, il n'y a pas de décal potentiel. Je vois pas en quoi Remakami pourrait prendre un kill, mais il décide d'ulti la Némésis tout de même. Histoire de lui infliger pas mal de dégâts. De toute façon, Arthur récupérera très vite son ulti. Et côté serquette, bon bah on est toujours bien, hein. il est level 6, Nemesis est 5, elle vient de passer 6 à l'instant. Par contre, il n'y a aucun camp dans la jungle où serquette se dirige. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va foutre là, mais pas grand chose. Elle aurait mieux fait d'aller de l'autre côté. Peut-être qu'elle veut retenter un truc sur Baron, mais Baron est au mid. Est-ce qu'on veut tenter un truc sur Baron? Pas vraiment. Là, vous voyez, c'est très rare de voir un joueur comme ça se balader dans la jungle et rien faire pendant plusieurs secondes. On essaie d'enfermer le Holorun. On l'a dit hein, que c'était une possibilité, mais on arrive bien à temporiser pendant l'ulti Holorun. Et finalement, est-ce qu'on décide de repartir dessus? Non. On réussit à placer un route, mais qui ne se propage pas, heureusement. Et Quick s'enfuit. On prend les mid happy de droite et finalement ce gank ne passe pas. Serquette est passé 6 tout de même, elle va pouvoir aller faire ses camps derrière. On est à la 6 minutes 16, donc ça y est, sont apparues les offrandes et Artemis s'est sauté dessus pour aller voler l'offrande adverse, tandis que Carib va prendre l'offrande de gauche. Donc ça sera 2 offrandes pour le prix d'une. Pour les joueurs d'Enrich Hun, c'est bien joué. Ça va la permettre de prendre légèrement l'ascendant, puisqu'il en reste... Non, finalement non. C'est assez équilibré. En fait, il y en a 6 sur la map. Donc, on peut très bien en récupérer 3 de chaque côté. C'est ce qui s'est passé. Oh, cette fois-ci, Gamma, une nouvelle fois avec le baron qui va se faire tuer. Puisque c'est un baron face à une serquette et que c'est très très fort. Alors, notez que malgré tout ça, ça reste quand même Valkyrie qui est devant au goal. Tellement ils ont une bonne gestion de l'incom, et puis surtout ils ont plus de flèches dorées. Oui, ils ont plus de flèches dorées, donc la flèche dorée ça permet de faire des golds et ils en ont une de plus. C'est aussi pour ça qu'ils sont devant en gold. Faut pas oublier cette mécanique là qui fait qu'on fait plus de thunes quand on lastite un sbire qui a une flèche dorée sur la tête. Allez, Kirmi qui vole la jungle de la serquette histoire de la mettre au fond, même si elle est en 2-0. Donc, bon, il la met pas vraiment au fond, mais il arrive à se maintenir à hauteur. Du côté d'Holorun, on n'est pas mort. C'est Baron Simbi qui tombe derrière et qui rush une robe spirituelle. Je pense qu'il aura cette fois-ci Gamma l'obligation de rush assez rapidement son masque de Lono s'il veut arrêter de crever en boucle. J'espère qu'il ne va pas faire comme tout à l'heure où il l'a acheté vraiment très très tard. Il va plutôt le faire assez tôt. C'est un conseil, c'est important. Oui, qui récupère l'offrande. Et regardez, l'obélisque s'est rempli côté Valhalla Valkyrie. C'était plutôt du 7 offrandes contre 4, j'ai l'impression. J'économise pour Fenrir. Est-il fort? Oui, Fenrir. Ah, il a pris quand même un gros nerf avec la 9.5. C'est pas vraiment dans ses stats, mais c'est le fait que bah, les gens sont devenus un petit peu plus tanky. Donc Fenrir est correct, mais il est moins fort qu'au début de la S9 et en S8, en S7, tout ça. Parce qu'on a plus de PV maintenant et plus de résistance, ce qui fait que Fenrir peut moins one-shot un personnage comme en early comme il faisait avant. On met tout sur Quig, le slow de Holorun, mais le 3 sera suffisant de Quick pour s'enfuir. Est-ce qu'il y a un flash du côté de Kirmi disponible? Non, on a réussi à empêcher Kirmi de flash sur Quick. Et donc, pas de kill pour les Valhalla Valkyrie. Par contre, un gros zoning derrière, puisqu'on vole ces deux camps-là, même si Arthur en a récupéré une des deux harpies. Bon, après, ces harpies ne donnent pas grand-chose. Aurais-tu des junglers à me conseiller? Bakasura, actuellement, est très fort. Mais c'est un jungler que moi, je déteste jouer. Ou Arachné, qui est pas mal sur le patch. Tu rushes une lame dorée, tu farmes, tu tentes des ganks, voilà. Ouf, Gamma qui remeurt encore une nouvelle fois. Il a glissé sur son positionnement. Aquarius qui va devoir utiliser son Eagle Rally pour s'enfuir. Et il fuit. Le ralliement de l'aigle,
ça veut dire en anglais Eagle Rally. J'ai beaucoup appris le nom des sorts en anglais, donc parce que pendant longtemps c'était pas traduit, hein. Pendant quelques temps ça n'a pas été traduit, et après j'ai enfin compris qu'on pouvait mettre en français. Donc, j'ai longtemps été en anglais, moi. Alors je suis pas un grand fan, mais bon, fait que je connais absolument pas les noms des sorts des nouveaux persos, mais il y a des sorts comme ça, genre Olurun, je connais pas un seul nom de ces sorts. Je les retiens pas, je les lis jamais en fait. On les lit jamais les sorts. On sait ce qu'ils font, mais on sait pas, on les lit jamais. Je crois que Bellona elle est sortie quand en 2015 ou en 2014 elle est sortie Bellona. Parce qu'elle a été créée, elle a pas été créée par Drybeer Bellona. Drybeer il a pas créé Serket Bellona et Ratatosker, je sais plus. Drybeer c'est le créateur de Paladin, après c'était un game designer, enfin à la base c'est un youtubeur, hein, Drybeer. Il s'est fait recruter par Irez et il a été game designer, donc créé des god designer, hein, créateur de dieu plutôt. Et ensuite il est parti en game designer sur Paladin. Et après il a quitté la société en 2017 je crois. 2018. Et maintenant il est de nouveau youtubeur, streamer, et il fait du Lost Ark. Il a un peu galéré à revenir, mais là ça va mieux. Je pense qu'il gagne plus d'argent que moi maintenant, de nouveau. Mais il a galéré pendant quelques mois quand il est revenu. Parce qu'il avait genre pas fait de contenu sur sa chaîne YouTube pendant plus de 3 ans. 3-4 ans. C'est pas facile de revenir sur YouTube comme ça. Attention, Dud qui réussit à claquer son ulti pour survivre. Et le stéroïde de vitesse de déplacement sur son 2 avec Artemis qui lui a permis de fuir. Parce que Nemesis a quand même une sacrée mobilité grâce à sa lame dorée et son épée brise-roche. Donc si vous aimez Lost Ark et que vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Drybeer sur YouTube. Parce qu'il fait que ça, en ce moment presque. Allez, on récupère la Gold Fury du côté des Valhalla Valkyrie, l'ultimate de Karib qui passe dans le vent, Gamma qui essaye de chase un petit peu Watt, mais il faut essayer de PG Quig. Quig, le route qui passe, derrière il n'arrive pas à passer à travers, oh, il se suicide, il sait qu'il est mort Quig. Il se laisse mourir, ça permet à ses coéquipiers de survivre à coup sûr. Et c'est une Gold Fury et un kill qui passe pour les Valhalla Valkyrie. Ça leur permet d'avoir 2500 gold d'avance. Allez, on dépush. BennyQ qui nous a fait une pièce de charron sur son Holoroon. Chose étonnante, parce que ça donne pas de la mousse speed tout de suite. Hein. Il faut avoir fini de stacker la pièce. Bon, c'est un peu curieux. Et voilà, il m'a écouté Gamma au bout de 0-3-1. Il m'a écouté, il a fait le masque de Lono, deuxième objet. Parce que là, il était un peu en train de trop mourir. C'est là qu'on voit les défauts de Baron. Hein. C'est quand tu te prends... 3-4 personnes, quand t'es en plein milieu de la jungle, t'es quand même mal barré avec ce perso. Hein. Attention, l'ultimate de Remakami sur Aquarius. Et petit à petit, Arthur prend le dessus hein, sur Bellona. Parce qu'au début, Bellona avait mis pas mal de dégâts à Arthur. Mais petit à petit, c'est Arthur qui finit par prendre le dessus sur Bellona. Son Arthur prend le dessus sur à peu près n'importe quoi sur la solo. Au bout d'un moment, mais en early, il a été quand même pas mal nerfé avec le temps. Et maintenant, faut lui donner deux items. Et après qu'il a deux items, ses roulages de tête sur le clavier. Lame dorée. Mercury, on m'a dit lame dorée, puis ensuite full crit. Oui, lame dorée, rage, condamneur. Ou lame dorée, démon du vent, condamnateur. Ce genre de choses, ouais. Après, tu peux faire, aussi faire une épée brise roche sur un Mercury, c'est pas mauvais. Et après, une forge de sang, par exemple, en dernier objet. Attention, Remakami qui passe à travers et Quick qui a ce... Non, c'est... Ben non, parce que Remakami, il est... Pourquoi il est passé à travers de l'ulti Moja? Ah oui, parce que Quig est dans son équipe, je suis un peu con. Mais on va réussir à le tuer, il a peut-être un petit peu trop insisté. Watt qui meurt également. Et malgré le kill récupéré des Eldritch Wound...
Et bah c'est quand même les Valhalla Valkyrie qui gagnent le trade ici avec les deux kills récupérés ensuite, plus ensuite le push de BennyQ sur la T1 qui est bien évidemment un ADC à auto-attaque, hein, donc il va faire tomber la tour très très vite et il va faire tomber ensuite la lane pour push ses, pour mettre ses sbires. C'est un peu mal poli, foutre. Pour mettre ses sbires sous la T2 et ainsi faire perdre du farm à Rema Kami qui sera là trop tard. Oh, les deux crits d'affilée. C'est ce qu'ils ont expliqué, les pro players. On rush démon du vent pour le côté random des crits à l'heure actuelle. Et pour, voilà, si on arrive à mettre deux ou trois crits d'affilée sur l'adversaire, on a peut-être une chance de le tuer, sinon on peut plus. Lame dentelée, oui, lame dentelée peut-être plus que l'épée brise roche sur Mercury, c'est vrai que c'est peut-être mieux. Lame dorée, c'est obligatoire hein, sur Mercury, sur Baka et sur Kali. Arachné, elle aussi, on a besoin. J'irais Némésis pourrait pratiquement s'en passer. Oui, level 16 et il part sur son condamnateur maintenant. Du côté de Holoroon, on a fait une étreinte démoniaque et on va partir sur l'âme toxique peut-être. Peut-être pour réduire les heals. Puisque Arthur joue Pierre de Gaïa, on a une Emoja, faut mieux partir sur une lame toxique quelque part pour pouvoir réduire le heal. Car Nemesis n'est pas parti sur de l'anti-heal, Bellona non plus. On enferme Gamma. Et là, ils hésitent à tout mettre sur Gamma ou pas. L'arrivée de Kirmi sur Watt. Gamma qui survit. Ça commence à payer pour Gamma, son itemisation. Il ne meurt plus. Aquarius qui tank sur sa Bellona, qui se régène sur son adversaire avec son Scourge. Troisième sort de Bellona qui permet de se sustain au bout de 3 autos. Attention, Kirmi qui prend très très cher, le beurre, c'est chaud, et le kill qui est récupéré sur Rema Kami. Attention, faut pas se rouler côté Valhalla Valkyrie, est-ce qu'on va tenter un fire? Non, on va tenter un move de prendre le pyromancien, mais regardez, les Valhalla Valkyrie ne se laissent absolument pas faire. Ok, ils perdent le pyro, mais ils sont en train de pocheter un T2. Côté Erypt Crimson, on essaye, on va peut-être réussir à prendre le kill sur BennyQ, c'est chaud. Wowi qui va insister pour essayer de survivre l'ultimate de Holoroon. Et derrière, BennyQ qui se prend la porte. Wowi qui tombe, BennyQ qui s'est fait slow. On rappelle qu'on se fait slow quand on passe à travers le portail de Emoja et qu'on fait pas partie de son équipe. Ça va être chaud pour BennyQ. Il se fait aider par Gamma, Gamma veut se sacrifier pour lui. Non, ça tient. Aquarius qui prend des dégâts. Là, c'est compliqué. Ce qu'a voulu faire Aquarius et l'objet d'Eagle Rally. Il a fait gagner du temps. Gamma, par contre, il est trop resté. Il va crever. Et par contre, on va pouvoir enchaîner sur une Gold Fury pour les joueurs de Eldritch Wound. Et ils vont regagner pas mal de gold là sur ce coup. Une Gold Fury, c'est environ 1200 gold, hein, 1200 gold à peu près. Et c'est une Oni, donc ça va push un petit peu toutes les lanes. Ça va faire du bien. Pendant ce temps-là, on a Kirmi qui fait son pyromancien. Est-ce que ça passe le pyro? Ouais, sans aide, ça passe. Hein. Ça passe, tranquille ou bilou. Boum. C'est aussi ça la force de la lame dorée, je pense, c'est que ça permet de clean les objectifs assez rapidement. Même si ça permet de cleave, on est d'accord, mais ça donne quand même une bonne vitesse d'attaque, un peu de dégâts, pourquoi pas. Même pour ça, ça a l'air d'aider. Allez, on a Aquarius qui continue de farmer, mais bon, les joueurs de Eldritch Hound ont sorti un gros fight. Ils peuvent encore espérer. On rappelle que c'est un BO3, ça se joue en 2 games gagnés. Donc s'ils perdent cette game, les Eldritch Hound sont éliminés des Smite Masters. Et ils finiraient à la 6ème place. Non, 7ème place, pardon. Attention, Quick, il se prend le stun de Baron Samedi, c'est chaud pour la Yemoja, il se prend un route,
Kirmi essaye de poursuivre, mais Quigg, c'est difficile hein, de tuer une Imoja. On utilise beaucoup de ressources pour la tuer, mais je sais pas si c'est si pertinent et ça pourrait peut-être se retourner contre les Valhalla Valkyrie s'ils continuent à toujours mettre énormément de ressources sur, sur le kill sur la Imoja. On a côté des joueurs de Caribe, on vient de finir le Condamnateur. Du côté d'Olorun, on vient de finir le bâton de Tahuti. Ah non, il fait pas du tout une lame toxique, il a fait un bâton de Tahuti. Donc il n'y a pas beaucoup d'anti-heal hein, dans cette compo. Ils se disent, en fait, ils se disent la même chose que moi je me disais quand je jouais Scylla en saison 8. C'est que je me disais pourquoi je jouerais de l'anti-heal sur Scylla, vu qu'avec un Secret Crush, je fais 1200 de dégâts. Donc je one-shot en fait les gens, enfin je fais très mal. Donc je me disais, bon, Divine Ruin sur Scylla, on s'en passe. Bon, de toute façon, elle one-shot. Mais c'est quand même un peu risqué. Quand même un peu risqué de là d'avoir aucun anti-heal dans la game. Il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y en a pas. Contre Arthur et Imoja, ça peut être vraiment grave. On voit qu'Aquarius ulti sur place. Remakami qui arrive. Quigg qui essaye de monopoliser un petit peu l'attention comme d'habitude. On claque l'ultimate. On a l'arrivée de Gamma qui essaye de placer un route. Mais Gamma, il va essayer de ramener Remakami. Il peut pas. Il est en train de tourbillol. Quigg qui va mourir. Remakami, Kelo ont réussi à placer un superbe route du côté de Erup Crimson. Du côté de Kirmi, est-ce qu'on a un flash? Oui, on a un flash, mais on l'utilisera pas. Artemis qui est en train de décaler pour rejoindre son équipe. Alors que Caribe, lui, elle, pardon, est en train de push. Allez, on a Gamma qui va reprendre un petit peu de vision. Il a posé une noire? Non, pas du tout. Tentative de fire. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Si, parce que Aquarius peut TP. Donc, il y aura une supériorité numérique pendant quelques secondes. Est-ce qu'il y a une TP possible pour Aquarius? Il est en train de TP. Il cherche une ward. Est-ce qu'il TP? Il TP où? Bordel, Aquarius, il va TP sur le côté. Gamma a pris très très cher. On réussit à prendre le kill sur Gamma du côté de Erupt. Et Aquarius arrive trop tard. On n'a pas réussi à synchroniser là. Est-ce que de l'autre côté il peut TP? Non, il joue pas TP, Arthur. Ah, dommage. C'était bien tenté, mais ça s'est pas passé comme prévu. On a le trébuchet qui est en train d'aller mettre une pression là sur la duo. Boum, on tue les mêlés. Ah, ça met du temps à tuer les mêlés, on voit. Est-ce qu'on fait le fire? Oui, on fait le fire, car on est en supériorité numérique et Gamma est le support, celui qui a tendance à aller checker, même si Aquarius peut largement le faire. Watt qui s'est engagé. Aquarius, on essaye de mettre des dégâts. Aquarius qui est capable de tanker. Remakami qui a pris cher. L'ultimate de Imoja qui est claqué. Mais Olorun qui fait très très mal. On utilise peut-être un petit peu trop de ressources pour faire mal à Quigg. Quigg qui meurt. Derrière, côté BenQ, on survit. C'est très très chaud. Il survivra du poison, j'ai l'impression. Et pas du poison. Il a survécu du poison, Olorun. Kirmi qui joue avec la fufu, c'est rigolo. Même s'il avait été vu rentrer à l'intérieur. Remakami qui débarque. Le route qui est placé par Gamma. On réussit à passer sur le fire. Le rune qui est en train de revenir. De l'autre côté, on a Erup Crimson qui est en train de faire mal. C'est chaud pour Kirmi. On réussit à récupérer le fire du côté des Valhalla Valkyrie. C'est extrêmement chaud. Ils sont très très low, mais ont tenté le conflip. Parce que c'était littéralement un conflip pour ce Fire Giant. Mais les Valhalla Valkyrie reprennent leur meilleur lead de cette game, 5700 gold d'avance sur leurs adversaires. C'est chaud. C'est chaud pour les Valhalla Valkyrie. Ils ont eu chaud, mais ils sont en train de reprendre un lead. Ils auront beaucoup souffert. Les Eldritch Wound, on a quand même Erip Crimson qui a fait un pentakill kill. Et on a le push de le trébuchet qui a marché finalement, puisqu'on a réussi à faire tomber la T1. On va aller s'orienter au niveau de la gold. Est-ce que Quigg veut le faire? Non, ils sont là, mais BenQ voit bien. Ils tentent la gold fury, ils sont deux au mid. Ils vont essayer de le défendre tout de même. C'est chaud, il y a Kirmi qui est derrière. On décide d'abandonner. Gamma qui est là. Et oui, la gold fury qui va être récupérée complètement gratuitement par les joueurs de Valhalla Valkyrie. On continue les offrandes, on lâche pas. Alors je pense pas que ce Fire Giant sera le dernier de la game. Puisque je pense qu'il leur reste que 2 minutes 38 de
Buff Fire, qui on rappelle permet de faire des dégâts en plus sur les tours et les phénix. Donc permet de, bah, d'aller récupérer les deux dernières tours. Les phénix, c'est une autre histoire, je pense que faudra attendre le prochain Fire pour attaquer. Allez, on va essayer de prendre la tour. Je trouve étonnant pas Seize the King sur une Kite, parce que le Seize the King il proc 3 fois quand même, hein, ses auto-attaques. Quand elle fait le piou 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 là et qu'elle touche 3 fois, c'est un très très bon anti-tank. Donc c'est un très très bon anti-Arthur, je trouve, le Seize the King sur Karib. Donc je sais pas si elle le fera en dernier objet ou si elle partira sur une domination. Allez, on va essayer de siège. C'est un peu risqué. Il leur reste 28 secondes de buff fire. Attention, c'est chaud. 1 minute 28, pardon, de buff fire. On a claqué l'ulti de Lorune. Gamma qui se fait engager à la sortie de son ulti. On met le Eagle Rally sur Watt pour le punir parce qu'il a voulu essayer de tuer Gamma. C'est un pour un. Les gros dégâts de Karib là qui font mal. Mais on n'arrive pas à sécuriser ce phoenix. On a fait un pour un. On a Rema Camille qui va tout simplement back pour Regen. Aquarius qui peut TP, je suppose. Oui, Aquarius qui TP, il a les résistances, il a la vitesse de déplacement. Ils peuvent essayer de sécuriser le Phoenix à ce moment-là. L'engage de Rema Camille sur BenQ, mais il n'arrive pas. On réussit à aller chercher Quig. Quig qui tombe. On va se retourner contre Rema Camille. Rema Camille qui va prendre très très cher. Rema Camille qui va mourir. Et c'est un 3 pour 1. Plus Phoenix en faveur des Valhalla Valkyrie. Ils viennent de faire le plus dur. Bien joué, sécuriser un Phoenix. On va sans doute back. Aller chercher les buffs adverses. Alors, ils n'ont pas envie de les laisser. Il y a Eruk Cripson. Non, ils ne vont pas. C'est greedy hein, de voler le rouge du Tot là. Vaut mieux jouer safe. Et aller préparer le Pyromancien. Et le prochain Fire qui repop dans 1 minute 8 maintenant. Les Valhalla Valkyrie ont pris une sacrée option sur la game, mais on voit à quel point les Eldritch Hound sont solides quand même. C'est une équipe qu'on verra peut-être pour les qualifications des Worlds dans 4-5 mois maintenant. Enfin bref, une grosse équipe qui aura fait un sacré parcours en Smite Master, mais qui a maintenant de plus en plus de chances de perdre. Ça va être compliqué de revenir. Surtout qu'on perd le Phoenix à l'opposé du Fire, donc ça va être très difficile de le défendre. Même si Artemis essaye de dépush le plus haut possible. On récupère le Pyro. Il reste encore 28 secondes avant le repop du Fire, donc le problème c'est qu'elle a dépush trop tôt, je pense, là, Artemis. Là, ça va vite repartir de plus belle, grâce aux sbires enflammés de la duo. Et quand le refire va repop, les deux lanes seront quasiment. Deux sbires enflammés seront quasiment réunis. Ouais, dans 3 secondes, 2, 1. Paf, les sbires continuent d'avancer là. Et le fire qui repop. Alors le faire instantanément, c'est quand même un petit peu présomptueux. Même s'ils ont des golds d'avance. C'est chaud, ils le font tomber tellement vite avec Karib plus Olorune. Ça tombe tellement vite. Valhalla Valkyrie, quel objectif de Fire pendant que Gamma zone. Mais maintenant, Gamma, c'est quand même un personnage difficile à tuer. Un joueur, un pick difficile à tuer, c'est un baron. L'usine de Lorune derrière. Gamma qui temporise. Et il survit. Gamma, il a utilisé sa coquille renforcée pour pouvoir passer à travers l'ulti de Yemoja. Et vous voyez, les sbires enflammés sont en train d'arriver sous le phénix. Bientôt sous le titan. Gamma, on utilise trop de ressources pour tuer Gamma, les potes. Ça sert à rien de tuer Gamma, c'est un support. Résultat, vous avez tellement été bait par Gamma que vous êtes tous en train de crever. Oh là là, le focus Gamma, le 0-6, il voulait le mettre à 0-7, mais ça sert à rien, c'est un support. Et boum, il tue tout le monde. Gamma qui survit avec 5 HP, mais qui survit. Aïe, 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 et c'est le 14, c'est le 5 pour 0, et c'est la victoire. C'est la victoire des Valhalla Valkyrie qui s'imposent dans ce BO3 et qui vont pouvoir affronter dans le prochain BO les Bolt pour rester vivants dans ces Smite Masters. Bravo
au Eldritch Hunt qui auront fait quand même un sacré parcours. Remakami, Watt et les autres auront quand même été très solides durant cette compétition et on les reverra sans doute peut-être dans quelques mois et peut-être l'année prochaine en SPL, on verra. Je vous fais des gros bisous YouTube et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao.